Étienne Delangre, deuxième barre du RC20, deuxième ligne, comme on dit, est avec nous. Étienne, merci de nous accompagner. Quelques mots pour vous présenter. 27 ans, né à Redon, brétilien, petit gabarit, hein, 115 kilos quand vous n'êtes pas en forme. 1,96 m, ça c'est la toise, ce qui explique cette position. Formé à Redon d'abord, puis une petite année à Vannes avant de filer au centre de formation d'Ucel pour finir sur Clermont. Clermont, puis Béziers en Fédéral 1. Avec Béziers, vous connaissez les joies de la montée. En Pro D2, on va reparler dans un instant. Il y a 44 matchs de Pro D2 avec Béziers puis Dax et puis une arrivée à Vannes en saison 2013-2014. Ce dimanche, sur le pré à la Rabine, victoire 22-0 entre Vannes, le leader, et Lille, son dauphin. Un match qui était excessivement attendu, Étienne. Oui, ce match, on l'attendait depuis déjà le 20 septembre. C'est vrai qu'une rencontre contre Lille, c'est toujours un peu particulier. Maintenant, ça va faire 2 ans qu'on les rencontre. À chaque fois, le dénouement n'est pas toujours bon pour nous. Donc cette fois, on avait vraiment à cœur d'avoir devant notre public, qui était très très nombreux d'ailleurs hier à la Rabine, on voulait vraiment offrir un beau spectacle et un bon résultat. Donc je pense qu'on a réussi notre mission, quoi. Victoire 22-0, alors qu'à l'aller, Vannes avait failli créer l'exploit, menant jusqu'à la 84e minute avant de se faire dépasser à la 85e. On peut imaginer que vous aviez cette défaite en travers la gorge. Oui, on peut même parler de revanche, parce que 20 minutes de la fin, il y avait encore le bonus offensif pour nous. On se fait remonter de 2 essais. Et voilà, comme vous disiez, à 84e minute, un essai assassin. Donc vraiment un sentiment de frustration qu'on a gardé jusqu'à ce match d'hier. C'est pour ça, je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour arriver à faire une bonne performance. Premier essai signé Burgo, puis là le second sous nos yeux en ce moment sera signé de Stolz, le numéro 8, le troisième ligne centre, voilà, en bout de ligne comme un ailier. Vous avez dominé de la tête et des épaules cette formation lilloise. Je pense que oui, on avait vraiment à cœur d'être propre dans tous les domaines, que ce soit la conquête, en mêlée. On redoutait un peu leur mêlée parce qu'ils avaient une très très bonne mêlée. Dans le jeu courant aussi, ils nous avaient posé beaucoup de problèmes à l'aller. Donc voilà, c'était vraiment faire un match plein pour offrir un beau spectacle et surtout une victoire à la fin. Ouais, le public, vous l'avez évoqué, en nombre, hier à la Rabine. Même ça bouchonnait à l'entrée, c'est 2 minutes avant le coup d'envoi. Les Vannetais ne sont pas habitués peut-être à avoir autant de monde se presser pour une affiche comme celle-là. Ah oui, c'est une affiche qui a amené effectivement énormément de monde. J'ai entendu des chiffres de 5 800 spectateurs. Donc vraiment, enfin, j'avais jamais connu ça à la Rabine. Ça fait 3 ans que je suis ici, mais vraiment, c'était très très important pour nous. On le sent de toute façon, un engouement qui est croissant. Ah oui, c'est vrai, après de voir les images des bouchons à l'entrée, c'est de la Rabine, c'est rigolo, parce que c'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours. Pendant qu'on se refait le troisième essai, donc signé de Stolz, encore un mot sur l'ambition légitime du RC Vannes en tête de sa poule. Mais rappelons-le, il y a 4 poules de Fédéral 1 et seuls les 2 meilleurs nationaux, et après les 4 meilleurs 3e et 4e vont se disputer le plaisir de l'accession à la Pro D2. Il faut, si l'on veut se simplifier la tâche, Étienne, finir dans les 2 premiers pour n'avoir qu'un seul match à disputer. Allez, retour par ailleurs, le retour à la maison, mais cette première ou cette deuxième place sera difficile à décrocher. Ça sera extrêmement dur à décrocher. La place de leader de poule, c'est un objectif qui est établi, qu'on va essayer de maintenir. Vous avez 10 points d'avance aujourd'hui. On a 10 points d'avance aujourd'hui, donc c'est vraiment, on est sur les bons rails. Maintenant, c'est vrai qu'aller chercher cette place de premier ou deuxième national est vraiment un objectif qu'on va pouvoir regarder de façon un peu plus concrète. Après, il ne faut pas se voiler la face. On a en face des équipes comme Nevers, Bourg-en-Bresse, qui sont vraiment des écuries qui sont habituées, Nevers prétendant à la Pro D2 depuis pas mal d'années, Hoche ou Bourg-en-Bresse qui ont déjà connu ce niveau-là. Donc il faut être humble aussi, il faut rester à notre place, sachant que voilà, bon, ça sera un challenge, mais Vous avez connu les joies et peut-être la recette de la montée, vous-même et Étienne Lang, on le disait à l'instant avec Béziers. Est-ce que le groupe Lorientais, le groupe Vannetais que l'on peut voir par exemple sur la pelouse là ou dans les vestiaires, est-ce que ce groupe-là, selon vous, qui avait l'expérience, à l'étoffe, à la maturité, à le jeu pour y arriver? Moi, je pense qu'on a un groupe vraiment de qualité, que ce soit en nombre, même en qualité. Chaque joueur apporte vraiment, quand il rentre, les titulaires comme les remplaçants. Je pense qu'il y a vraiment une homogénéité et c'est ça qui nous permet d'avoir des ambitions cette année. Je trouve que vraiment, titulaires, remplaçants, on n'a pas vraiment un groupe de 23 joueurs. On est vraiment une trentaine de joueurs qui sont vraiment de très bon niveau, et ouais, je pense qu'il faut avoir des ambitions, et c'est pas non plus des ambitions trop
trop exagéré, je pense. Ça ne vous semble pas, vous, insurmontable? C'est pas insurmontable. Je pense pas. Après, tout dépendra de nous. Je pense que ce sera notre détermination à chaque match et notre abnégation à ne pas perdre les matchs, surtout de phase finale, qui sont des matchs couperets et qui vraiment peuvent amener une grande joie à la fin. Ouais. Ouais. Jean-Noël Spitzer, un des deux entraîneurs, celui des avants, en l'occurrence, le dit, il faut quasiment gagner tous nos matchs. C'est une certitude. Ouais. Pas le droit à la défaite. Pas le droit à la défaite jusqu'au dernier match de championnat de phase de poule. Il est interdit, la victoire. Chaque match est impératif et la moindre défaite nous sortirait justement de ces deux premières places qualificatives directes pour les demi-finales. Donc ça va commencer par des grosses performances, notamment à Saint-Nazaire, où là le club appelle ses supporters à faire le déplacement parce qu'il faut sentir la ferveur du public derrière vous pour jouer le 16e homme parfois sur la pelouse. Tout à fait, on a à l'image de ce week-end où on a bien vu être poussé par 5800 spectateurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose que nous, les joueurs, on ressent sur le terrain. Donc, plus on se sent suivi, ça nous aide dans les moments un peu plus difficiles, surtout à l'extérieur. On vous remercie beaucoup, Étienne. On vous dit le mot de Cambronne. Hein, et puis donc, ne rien lâcher pour espérer voir le RC Van jouer au moins ce match de barrage qui pourrait vous ouvrir les portes de la Pro D2. On va rester ensemble en contact via les réseaux sociaux. Vous retrouverez, je le disais, notamment un reportage complet sur ce match avec des interviews de Wilfried Lahaye, de Jean-Noël Spitzer et de Kevin Burgo. On va remercier Charlotte Billot, Guirec Fléchère, Titouan Lebrun qui étaient sur les différents terrains pour TB Sud ce week-end. Et remercier encore Tom Gonzalez à la réalisation et Paul Besson qui était au son. Demain, rendez-vous sur TB Sud avec Foot 56. Salut.